Salut les amis, ici Chris, comment allez-vous? Moi ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la deuxième Pokébox de Zenith Suprême, celle avec Articodin de Galar et sa carte promo qui est splendide. J'ai déjà fait la présentation, la seule chose qui différencie c'est le couvercle. Alors, sans plus attendre, Monsieur Ciseaux est là. Hop. On fait une entaille dans le plastique. Hop, allez, c'est décelé. On ne peut pas revenir en arrière. La carte promo. Le Articodin de Galar. Splendide. Et mais il me semble qu'elles sont très, elles sont assez bien cadrées, hein, les cartes promo. Hop, je la sors sans l'abîmer. Super sympa, je la trouve très bien. Allez, sous sleeve de suite. Hop, tac. Et les quatre boosters, la boîte que l'on range. Et nous avons donc les quatre boosters. Espérons qu'ils soient aussi bien. La Pokébox précédente. Hop, on zoome. C'est bon. Allez, c'est parti. Premier booster. J'espère que vous allez dropper de belles choses dans vos ouvertures. Dites-le moi en commentaire ce que vous avez eu. Ce serait super sympa de vous lire. Alors, avec une énergie de type feu. Non, énergie obscure. Énergie obscure, Malamandre, Vortante, Girafarig, Écrapince, Recherche d'énergie, Insécateur, Riolu, Manglouton. Nous avons Dracaufeu radieux. Quand il y a un Dracaufeu, tout va bien. Est-ce qu'on fait le doublé? Non, on ne fait pas le doublé, nous avons simplement Loup-Garouque. Dracaufeu radieux, sympa, très bien cadré. Ça fait plaisir. Hop là. Voilà, Dracaufeu radieux. On commence bien. Allez, deuxième booster. Tire le code et c'est parti. Avec une énergie de type plante. Pouce bleu. Plante. Escroco. Luxio. Ami de Hisui. Pan d'espiègle. Échange. Stalgamin. Pyronille. Sac de nœuds. Valise de secours en peu commune reverse et on termine avec une simple rare de jolie flore. Donc rien dans ce deuxième booster. Alors, avant-dernier booster. Espérons qu'on ne va pas rester que avec un Dracaufeu. Ce qui est déjà pas mal, mais ce serait bien d'avoir de nouvelles cartes. Le code pour vous. Avec une énergie de type électrique, non, obscure. Énergie obscure. Super bonbon. Scalproie. Scélérock. Est-ce qu'il y a Solarock derrière? Non. Rockabo. Galekid. Riolu. Étourmi. Insécateur. Nous avons Vortante en. Peu comme Universe et on termine avec une simple rare de jolie fleur encore. Deuxième fois qu'elle arrive dans cette ouverture. Allez, dernier booster de cette Pokébox. Espérons qu'il y a quelque chose.
Hop là, et c'est pas bien ouvert. Ah mince, j'ai touché le pied de la caméra. Désolé, un petit étournement. Alors, je retire le code et c'est parti. 3 et 4. Avec une énergie de type psy, non, foudre. Énergie foudre. Gravalanche. Attrape Pokémon. Watapic. Wenmer. Nixie. Écrapince. Scalpion. Otaria. Ah, nous avons une belle carte. NG. Lino que je n'avais pas et donc qui rentre dans le set. Très bien cadré, il me semble. Est-ce qu'on fait le doublé? Non, on fait pas le doublé avec Gouroutan. Ouais, elle est bien cadrée, c'est cool. Donc on termine quand même avec une belle carte. Hein. Et toujours une carte que je n'avais pas. Ça fait toujours plaisir. Donc Lino. Et cette Pokébox était moins bien fournie, mais elle se rattrape parce que j'ai une nouvelle carte. Donc on a eu donc Dracaufeu radieux et Lino en carte dresseur alternate. Hein. Moi je trouve que c'est une carte alternate. Alors sur ce, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, vous connaissez la musique, tout ça, tout ça. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.